Bonjour ma filleule, cette vidéo est pour toi. En ce jour du samedi 5 janvier 2013, je reçois tes Et ça, c'est parents quand il n'a à pas bu, souper hein? à la maison. Il a bu En un fait, demi-verre. ce souper, c'est ce que je devais leur faire il y a un peu plus d'un an. Pour leur mariage, j'avais un défi de leur faire un souper, le premier souper de l'an. Donc, j'ai un peu plus d'un an de retard. Donc, Tu es toujours dans le aujourd'hui, T'as gardé ce ton cadeau soir, d'anniversaire de tes 2 ans, nous, pas des 3 ans. nous allons tous les trois, parce que tu n'es pas encore là, donc ton papa, ta maman et moi, ton parrain, souper tous ensemble. Alors, je te présente ta maman en ce jour où tu es toujours dans son ventre. Et je te présente ton papa, qui est super concentré sur tes lectures. Et qui boit le même verre que moi, parce que ta maman ne peut pas boire d'alcool, puisque tu es dans son ventre. D'ailleurs, elle n'en a pas bu une seule goutte. En tête. Et ça, c'est ton lit. Alors, aujourd'hui, nous allons manger un plat typiquement canadien que ta maman apprécie beaucoup, ton papa et moi aussi d'ailleurs. Comme ta maman n'a pas su venir au marché de Noël, parce que oui, à cause de toi, elle était un tout petit peu malade. On va manger ce qu'on appelle de la poutine. La poutine, ce sont des frites belges, de la sauce à viande et un fromage cheddar blanc légèrement salé qui n'est pas mauvais du tout. Donc voilà, donc tu regarderas cette vidéo quand tu seras bon, déjà né à la base. Et quand tu seras beaucoup plus grande. Donc voilà, c'est moi, ton parrain, à l'âge de mes 30 ans. Donc quand tu verras cette vidéo, à mon avis, je serai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux. Et à mon avis, je risque de rigoler beaucoup. Ta maman et ton papa aussi, quand ils reverront cette vidéo, risquent de bien rigoler. Bon, ma petite filleule, je ne connais pas encore ton prénom. Parce que ton papa et ta maman n'ont pas à l'heure actuelle encore choisi ton prénom. Peut-être que si. Ah, un scoop, peut-être que si. Mais tu ne le sauras pas. Mais ta maman veut pas me le dire, donc voilà, donc tant pis. Mais je le saurai bien un jour ou l'autre, ne t'inquiète pas. Le jour de ta naissance. Entre autres. Oh, j'espère quand même un peu avant. Non. Pour... Oula, mais j'ai appris hier que tes parents ont mis 4 heures pour faire ta liste de naissance. J'ai cru que t'allais dire autre chose. Quoi? 4 heures. Je n'irai pas dans les détails. Apparemment, si mes calculs sont bons, tu as été conçu, voilà, le jour ou le week-end, le même week-end que la marche Saint-André de Jamiou. Retiens ce nom, la Saint-André de Jamiou. J'espère qu'elle existera encore le jour où tu verras cette vidéo et qu'il existera. Allez, ma filleule, je te laisse. Nous allons bientôt passer à table avec tes parents. Et apparemment, tu viens de choter dans le ventre de ta maman, parce que tu es toujours à l'intérieur. Allez, ma filleule X, que je vais appeler comme ça pour l'instant. Mais je connais déjà ton nom de famille, c'est Benoît. Miss Benoît, t'as qu'à dire Miss Miss Benoît, voilà, Benoît. C'est pas Miss Benoît, je te laisse. Et exact. on ne t'inquiète pas, on se reverra très très bientôt. Allez, ciao, ciao. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. C'est pas X, c'est Y. Le chromosome, je ne sais pas.